I know. Thank you. No. Jarek, Nebi, oui. Tant que les gens ne sont pas assis, le président ne va pas prendre la parole. Ok. Jarek. Ok. Merci. Président. Ok. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. I think the people in this room are ready for a new day. Do you agree? If there is just half of the energy in this room as there is back in Guinea, I think we're ready for a new head of our country. Do you agree? Without further ado, may I introduce to the podium our next head of state, the Honorable Mr. Diallo. Please give him a round of applause. Le président ne va pas prendre la tête. Asseyez-vous ici, Martin. Ah là là. Voilà, attendez. Monsieur le président, vous attendez. Voilà. Les photographes, maintenant là. Les photographes, pliez-vous un peu, descendez s'il vous plaît, pour ceux qui sont derrière. Vous là, voilà, descendez un peu. Au nom de la délégation de l'Union des Forces démocratiques de Guinée. Délégation que j'ai l'honneur de conduire, remercier toutes celles et tous ceux qui ont fait le déplacement ce soir pour marquer leur amitié à l'égard de l'UFDG et de son président. Je voudrais en particulier saluer M. Bradley Onan, qui vient de me donner la parole, qui a prononcé un excellent discours. Il n'a pas manqué de marquer de manière solennelle son soutien à l'UFDG et à la communauté guinéenne vivant à New York. Je ne vais pas oublier M. Ezra Glaser ainsi que Madame. Comment je s'accorde cela? J'ai oublié son nom. La dame, elle a bien parlé là tout à l'heure. Madame Fernandez. Fernandez, je pensais avoir retenu. Madame Fernandez qui a aussi tenu un discours non moins engageant. Mes frères et sœurs de Guinée, mon frère de Diéphal, je voudrais très sincèrement vous exprimer mes profonds sentiments de reconnaissance et de gratitude pour cette marque de considération que vous avez exprimée à travers votre présence massive à ce dîner. Beaucoup d'entre vous ont abandonné leur repos et parfois leur travail pour être là, parce que vous croyez en l'UFDG, à son président. Et croyez-moi, votre présence ici nous reconforte et nous engage davantage dans la lutte que nous sommes en train de mener ensemble depuis de longues années pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. L'UFDG s'est engagé devant le peuple de Guinée de garantir à tous les Guinéens l'égalité des droits et l'égalité des chances. Dans notre pays, malheureusement, il y a toujours des forces contraires qui essayent de nous contraindre de reculer, mais nous ne reculerons plus. Il faut que la démocratie soit instaurée.
démocratie. Dans l'égalité des droits et des chances, il faut que les énormes potentialités de ce pays servent au développement de ce pays. La Guinée devait être une destination d'immigration. Aujourd'hui, elle est émettrice d'immigration. Beaucoup de ses enfants périssent dans le désert, dans la Méditerranée, en Libye, dans les prisons, parce que les conditions de leur épanouissement ne sont pas réunies dans le pays, parce que les richesses sont confisquées, parce que les violences sont exercées sur cette jeunesse. Il y a un déficit de liberté, il y a un déficit de paix, il y a un déficit de démocratie, il y a un déficit de travail. Et les jeunes ne peuvent pas accepter. Tous ceux qui partent ne partent pas que pour des raisons économiques, mais aussi parce que leurs droits sont régulièrement violés. Je sais que certains d'entre vous se sont inquiétés et se sont posé la question de savoir comment on fait. Mais eh bien, je vous réponds, on continue la lutte, on ne laissera pas faire. Et croyez-moi, nous allons arriver à la destination. Tout ce qui est aujourd'hui monté pour salir la réputation et l'honneur de votre président et pour l'éliminer, ça ne passerait pas. Et vous dites que vive la lutte. Et Yitorté Amao, on ira jusqu'au bout et la Guinée sera gérée au profit de tous ses enfants dans le respect des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit. Il est hors de question de retour, de reculer. Je l'ai dit à Banyoul, je répète ici haut et fort, que tous ceux qui m'entendent, l'UFDG continuera son chemin et se battra jusqu'à la victoire, et la victoire de Paris, croyez-moi. Je voudrais tellement seulement vous rassurer que la victoire n'est pas très loin et elle sera de notre côté. Parce que nous luttons pour la vérité, nous luttons pour la justice. Nous luttons pour que les Guinéens vivent dans la paix, dans la fraternité, dans l'unité, dans la tolérance. Et nous sommes capables de restaurer ces valeurs. Il y a eu trop d'injustice en Guinée. Il y a eu trop de morts gratuites. Il y a eu trop d'emprisonnements injustifiés. Il faut que ça s'arrête et que les Guinéens vivent dans la paix et dans la fraternité. C'est possible. Il y en a qui pensent que ce que nous vivons, c'est une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. C'est Nelly Lang, le femme de Yurumete, Lendi Kurtei. Et notre ambition, et vous le savez, c'est pourquoi vous êtes derrière moi. Notre ambition, c'est de faire en sorte que Lady Mendy ou Lady Kamopona là. Est-ce qu'on est d'accord? Et c'est pourquoi il faut être convaincu que Dieu ne va pas abandonner la Guinée. Dieu va nous aider et vous allez voir. Voilà, il faut dire que nous sommes tous les unogons. Il faut que vous soyez préparés pour ce combat ultime, pour mettre un terme dans notre pays à l'injustice, à l'arbitraire, aux tueries que nous avons vécues, et que nous puissions
créer les conditions d'une réconciliation et d'une véritable unité nationale autour des valeurs essentielles, la justice, le travail et la solidarité. Je vous remercie.